On va parler du château Pape Clément, qui est un grand cru classé de grave. La singularité du château Pape Clément, d'abord, c'est qu'il a une histoire, il a été la propriété d'un pape. Bon, malheureusement, en 1413, associé avec Philippe le Bel, ils ont décidé d'exterminer les Templiers. Et en second lieu, la première vendange a été faite en 1252. Donc le château Pape Clément est situé au sud-ouest de Bordeaux, sur la commune de Pessac-Léognan. C'est une propriété viticole de 60 hectares, avec pour cépages rouges 60% de Cabernet Sauvignon et 40% de Merlot. Pour les cépages blancs, nous sommes sur 35% de Sauvignon blanc, 10% de Sauvignon gris, 45% de Sémillon et 5% de Muscadel. Le château Pape Clément dispose de trois terroirs, argileux, graveleux et sableux. Nous sommes revenus au travail du sol avec les chevaux ainsi que des bœufs, l'intérêt étant de limiter les tassements de sol, ce qui est vraiment très important pour le respect de notre terroir. Au niveau des intrants également, nous avons depuis 2008 arrêté les désherbants, ce qui est plutôt intéressant pour la partie environnementale. Les vendanges se font exclusivement en cagette et à la main, l'intérêt étant de récolter le raisin à maturité au niveau de chaque cépage. Ensuite, au niveau des vinifications, nous possédons un cuvier bois, un cuvier béton et un cuvier inox. L'importance d'avoir différents cuviers est de pouvoir mettre les merlots, par exemple, dans les cuves inox et béton, et les cabernets sauvignon plutôt dans les cuves bois. Il y a un réel intérêt au niveau qualitatif et au niveau expression des différents cépages. L'élevage est fait de façon traditionnelle, avec 70% de barriques neuves et 30% de barriques de 1-20. L'élevage dure en moyenne 18 mois. Nous avons différents tonneliers, jusqu'à 8 tonneliers différents, pour apporter de la complexité et de la finesse au vin du château Pape Clément. C'est un château qui ne produit pas un très important volume, parce que le terroir n'est pas immense. On a des rendements à l'hectare qui sont très faibles, parce que ça aussi c'est la clé pour des vins d'une grande élégance, d'une grande douceur, d'une grande finesse.